Donc moi c'est Guillaume, donc pour vous présenter ce que je fais, pour présenter ce que je fais aux auditeurs. Mm-hmm. Donc je vais les faire un peu deviner là justement ce que je fais. Dis-moi Romuald, est-ce que tu pourrais lever les mains comme ça juste? Et regardez, quand j'ai le mot stop à présent, les mains sont bloquées complètement. Et regardez, à présent, vous pouvez regarder à la caméra, j'ai juste à dire le mot chat, endormi maintenant, plus en plus, et de mieux en mieux, et deux fois plus endormi maintenant, complètement et parfaitement. Et à présent, Romuald, quand tu vas ouvrir les yeux tout à l'heure, quand tu vas ouvrir les yeux, il sera, après le chiffre 3 pour toi, il y aura le chiffre 5. Ça va être complètement naturel, ça aurait été complètement naturel, toujours naturel. Pour toi, après le chiffre 3, il y aura le chiffre 5. Et quand je poserai ta main sur la table, tu te rendormiras parfaitement. 1, 2, 3, ouvre les yeux, réveille-toi maintenant complètement. Ça va bien, Romuald? Ça va. Ouais. Dis-moi, Romuald, est-ce que tu pourrais énumérer les chiffres de 1 à 10? On commence par 1. Ah, ouais. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans l'autre sens, ça donnerait quoi, par exemple? 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5, 3, 2, 1. Donc, est-ce que tu pourrais me donner ta main? Et regardez, il y a juste à poser la main sur la table et endormi maintenant deux fois plus et deux fois mieux. De plus en plus endormi. Et à présent, quand Romuald va ouvrir les yeux, il entend ma voix, absolument tout ce qui se passe à présent. Quand il va ouvrir les yeux, il aura la main qui va être complètement collée à la table. Il sera impossible pour lui de desserrer la main de la table et de savoir son prénom et le prénom de tous les gens qu'il y a autour de lui. 1, 2, 3, ouvre les yeux maintenant complètement. Bonjour, bienvenue sur la grappe. Je recommence l'émission. Ça va bien? Ça va. Quelle question pour lui poser là pour enchaîner sur... Du coup, c'est bien ton trésorier qui est à côté de toi. Ouais. Oui. Je pense. C'est vrai qu'il a oublié. comment s'appelle ce trésorier? Ouais, c'est un bon trésorier. Vous vous connaissez depuis combien de temps, Seb? Oh, bien 6 ans. 6 ans. Ça fait plaisir. Vous avez jamais... Je vais demander à Romuald de regarder sa main là et d'imaginer qu'il y a un gros aimant sur la main, et à partir du moment, un gros aimant sur la main et sur le front, et que les deux aimants vont s'approcher tout seul à partir de maintenant. Et au moment où la main va toucher le front, Romuald va pouvoir s'endormir complètement. Tu entends ma voix, Romuald? Tu vas t'endormir complètement au moment où la main va toucher le front, ça va être complètement naturel, tu vas te rendormir profondément. 1, 2, 3, chou, de plus en plus endormi et relâché complètement. Et à présent, quand je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais compter jusqu'à 3, la tasse qu'il y a devant toi sur cette table, elle fait 10 000 kilos. 10 000 kilos, du coup, c'est impossible pour toi, quand tu vas ouvrir les yeux, de soulever la tasse devant toi. Mais ce qui va être d'autant plus bizarre, c'est que toutes les tasses qu'il y a autour de toi, tu peux les soulever tout facilement. C'est juste ta tasse qui fait 10 000 kilos. 1, 2, 3, ouvre les yeux, réveille-toi maintenant. Dis-moi, est-ce que tu pourrais prendre soulever ma tasse Et on pourrait échanger de tasse ou pas? Est-ce que tu pourrais, par exemple... Toi-même trinquer, si tu veux. Tu veux pas trinquer? Il veut pas trinquer. Actuellement, Romuald, il est certes en état d'hypnose, mais il est complètement conscient. On peut avoir une discussion complètement normale avec lui, si ce n'est le chiffre qu'il y a entre 3 et 5. Mm-hmm. Ainsi que la tasse et... Et son prénom. Et son prénom. Mais sinon, on peut avoir une discussion complètement normale. On pourrait parler de l'association et tout complètement normalement. On n'est pas dans un état complètement différent, on est toujours en partie conscient. Et du coup, je peux montrer aux éditeurs à présent un réveil complet. Déjà, je vais demander à Romuald de regarder la main, et quand je vais la lâcher, tu vas te rendormir complètement. 1, 2, 3, chou, endormi maintenant, complètement, et parfaitement. Et à présent, quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas te souvenir absolument de tout ce qui vient de se passer. Complètement et parfaitement de tout ce qui vient de se passer. Être complètement et parfaitement en forme, tout à l'heure quand tu vas ouvrir les yeux, et te réveiller avec le grand sourire, vu que ça va être la meilleure expérience de toute ta vie. Tu vas pouvoir sortir parfaitement et totalement de cette hypnose, en pleine forme, à mon 3, et te souvenir absolument de toute cette expérience. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux complètement maintenant. Et on peut lui demander, pour rassurer les auditeurs, de compter jusqu'à 10, peut-être. C'est vrai, je pense que... Allez, donc, Romuald, est-ce que tu peux justement redire tous les chiffres de 1 à 10, en commençant par 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça marche mieux comme ça. Est-ce qu'on peut trinquer? Bien sûr. Ah, c'est possible? Ah, là, c'est possible. Bon, bah, santé. On peut quand même peut-être préciser que Romuald a été un peu préparé. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire les suggestions directement. À part, j'en ai rajouté quelques-unes là en direct, mais pour ce qui était du blocage, ainsi que le chiffre 3, le chiffre 4, je l'ai fait en amont.
Et c'est ce qui, mais c'est incroyable. Je... Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait, à part déjà hypnotiseur? Alors en fait, je suis étudiant à côté. En fait, ce qui est marrant, c'est des fois quand je fais des spectacles, les gens pensent que je fais uniquement ça, quoi. Et donc là, pour l'instant, je suis aussi étudiant à côté, donc je vais assurer entre guillemets mes arrières, même si dans un second temps, j'aimerais bien, pourquoi pas, en vivre du spectacle. Et du coup, c'est venu il y a combien de temps, cette passion? En fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est assez récent au final, ça fait un peu plus d'un an. Et du coup, je me suis pris très vite dedans, en fait, j'y suis arrivé un peu par hasard. Quand je voyais les émissions en fait, à la télé de Mesmer et tout, je me suis dit, j'avais quelques doutes, je savais que l'hypnose existait, vu que c'est prouvé scientifiquement de A à Z par des scanners et tout. Mais je me disais, si ça marche vraiment, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer, quoi. Donc j'ai commencé à essayer, j'ai eu des résultats très vite. Au bout de 3 semaines, j'ai réussi à mettre quelqu'un dans un état de sommeil d'hypnose. Et donc ça va très vite quand même. Ben, ça va dépendre des personnes en fait. Je donne souvent l'exemple, par exemple du foot, il y a tout le monde qui va pouvoir taper dans un ballon. Et après on a la chance ou pas de réussir à plus ou moins percer à haut niveau après. Donc j'ai eu la chance de pouvoir apprendre très vite aussi. Ben, c'est une chance. Ben, merci beaucoup Guillaume d'être venu sur notre plateau pour parler de ta passion. Ben, merci à vous, c'est toujours un plaisir de pouvoir convaincre un maximum de personnes, toutes celles qui écoutent. Après elles vont parler à des personnes qu'elles connaissent et tout. Et le but, c'est vraiment de montrer aux gens que ça marche. Et surtout qu'il y a, c'est vrai qu'il y a pas mal de sceptiques. Il y a énormément de sceptiques encore. Et des fois, les émissions de Mesmer à la télé ne sont pas faites pour aider. Vu que c'est vraiment impressionnant. Mais moi, je dis aux gens que c'est impressionnant vu que c'est des acteurs et des comédiens qui sont sur place. Donc, ils vont avoir des réactions beaucoup plus, on va dire, exagérées, beaucoup plus poussées que quelqu'un de lambda qui se fait hypnotiser. Donc, ils sont quand même hypnotisés, mais c'est juste qu'ils sont plus extravertis. Ouais. Ok.